Oi, gente! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet crime parce que c'est vrai que ces derniers temps là, on a parlé beaucoup d'amour, de célébrité. Et je suis tombée sur un cas assez récent quand même puisque ça date de 2022 et je me suis dit waouh! Cette histoire, c'est vraiment un truc de ouf. Vous voyez la JVDT que je vous ai fait pendant le mois de JVDT, la JVDT de Chéri Papini qui a fake son kidnapping parce qu'elle voulait se séparer de son mari et qu'elle n'osait pas le faire. Mais là, on a un step supérieur. Genre, c'est digne d'un film. Chaque fois que j'avançais dans mes recherches, je me disais, ça ne peut pas être vrai. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Kuri Richins qui a tout simplement planifié la mort de son mari pendant plusieurs années. Elle avait tout en plan, elle a essayé, elle n'a pas réussi, elle a re-essayé, elle n'a pas réussi, elle a re-essayé. Et je vais tout vous raconter. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et on attaque donc cette vidéo. Nous voilà donc à Camas, donc en Utah, aux États-Unis. C'est une toute petite ville, donc à la montagne, habitée par environ 2000 habitants. Et c'est donc ici que Kuri Richins, de 33 ans, et Eric Richins, de 39 ans, ont vécu ensemble pendant 9 ans et donc ont élevé ensemble leurs 3 enfants. Mais avant de parler du récent, revenons donc dans le passé. Je vais vous présenter un peu tous les deux. Eric est donc né le 13 mai 1982 à Bountiful. C'était important de dire le nom de la ville parce que c'est vraiment une ville où 80% de la population est donc mormone. Et parmi ces 80%, la famille d'Eric et Eric lui-même l'étaient aussi. La famille d'Eric, donc les Richins, étaient bien connus dans leur ville. Ils étaient même l'une des familles les plus importantes et les plus respectées du comté. Mais malgré leur richesse, la famille Richins était quand même des personnes très simple, c'est pas le mot parce qu'ils avaient pas mal de choses qui coûtent de l'argent, mais c'était des personnes, c'est quoi le mot en français, très humble. Eric, il a vraiment grandi presque dans une ferme, il prenait soin des chevaux, des vaches, à construire des clôtures. Après le bac, Eric, il a passé 2 ans à faire du travail missionnaire au Mexique, pas le missionnaire que vous pouvez penser, hein, du travail missionnaire. Voilà. Et là-bas, il a donc appris à parler couramment espagnol. Quand il est revenu, il a donc repris l'université, donc l'université de l'Utah. Juste après la fac, il a décidé avec un ami à lui, donc qui s'appelle Cody Ray, de fonder leur propre société. Oui, en effet, quand t'as une famille qui a de l'argent, ça aide parce qu'après la fac, tu peux direct lancer ta société. Tant mieux pour lui. Et en plus, leur société va très très bien marcher puisque ça va être vraiment une entreprise spécialisée dans tout ce qui est pierre, carrelage, sol, mais vraiment dans les maisons et les jardins, les terrasses de luxe. Eric semblait avoir absolument tout. Il avait une super famille, il avait de l'argent, il avait un travail. Il lui manquait juste une femme et finalement, il va en trouver une. Elle s'appelle Julie, mais au bout de 4 ans de relation, ils vont donc rompre. On a vraiment très peu de détails sur cette relation, étonnamment. Mais ce qu'on va apprendre, c'est que 2 ans après qu'ils ont rompu, ben Julie, elle va décéder dans un accident de voiture. Elle était en feu rouge, elle attendait et elle va être percutée par derrière par un énorme camion, à savoir la personne qui conduisait ce camion avait pris de la marijuana, était même en train de fumer de la marijuana. Et malheureusement, Julie n'a pas survécu. Eric, il a très mal vécu ce moment et il a eu beaucoup de mal à se remettre en couple. Il va rester 6 ans célibataire, pour vous dire. Et il va finalement retrouver l'amour en allant à un magasin de bricolage puisque Eric était allé donc à Home Depot et quand il est passé en caisse, il y avait une amie à lui qui s'appelle Linda qui a remarqué que Eric lançait un peu des regards à une caissière en question. Et quand Eric est revenu à Home Depot quelques semaines après, Linda a fermé sa caisse et lui a dit de passer à la caisse d'à côté, qui était donc la caisse de cette fille. Et à partir de là, il a invité en date et par la suite, ils ont commencé à sortir ensemble. Donc c'est vraiment Linda qui a formé ce couple en quelque sorte. Et je peux vous dire que plus tard, elle va regretter de l'avoir fait. Cette femme s'appelait donc Kuri Darden. Ils vont très vite se mettre ensemble. Ils vont très vite d'ailleurs avoir leur premier enfant. Et environ 1 an et demi après qu'ils ont eu leur premier enfant, ils vont donc se marier tous les deux. Le même jour, Linda, la mère d'Eric, c'est pas la même Linda qui est caissière à Home Depot, rien à voir. La mère d'Eric va donc aller voir la mariée ce soir-là et va donc lui présenter un contrat, donc un contrat prénuptial. Et dans ce contrat, c'est donc stipulé que aucune des parties n'avait droit
aux revenus ou aux actifs présents de l'autre personne. Elle pourrait avoir accès aux biens d'Eric et à l'argent d'Eric seulement si Eric venait à décéder et qu'ils étaient toujours mariés. Coury, elle a demandé à Linda pourquoi faire, elle n'était pas trop d'accord, mais finalement elle a signé. Ce que je trouve déjà est un red flag. Si son mec il meurt et qu'elle est toujours mariée, elle a accès aux choses. C'est pas comme si il décédait et qu'elle pourrait rien prendre. Du coup, c'est un peu suspect parce que si tu te maries avec cette personne, tu penses pas à la possibilité de divorcer et ce contrat de mariage serait chiant seulement si tu divorcerais. Donc c'est un peu bizarre que ça l'ait contrarié, vous voyez. Bref, les années vont passer, la famille va s'agrandir et à ce moment-là, ils ont donc 3 enfants. Vu que la société d'Eric marchait assez bien, Coury, elle a pu arrêter de travailler en tant que caissière et elle est donc désormais maman au foyer. 3 enfants, je pense que ça demande quand même beaucoup de temps, une sacrée organisation, donc ça aurait été compliqué de continuer à être caissière si ton mari il travaille beaucoup. Au bout d'un moment, il fallait faire des choix. Donc je trouve ça un peu normal qu'elle a décidé de se consacrer entièrement à ses enfants. Mais après qu'elle travaillait plus à Home Depot en tant que caissière, Coury, elle a une nouvelle idée. Elle veut lancer sa société. Elle veut être à son compte elle aussi. Et elle avait donc l'idée de fonder une société qui s'appelait donc K Richin Realty, qui se résume donc à l'achat de maisons, les retaper et les revendre ou les remettre en location. Ce qui a du sens puisque, comme je vous ai dit, c'était quoi ce rythme? Ce qui a du sens puisque son mari, il travaillait quand même un peu dans le bâtiment. Alors moi je trouve que ça a du sens, oui ou non, parce que c'est pas parce que ton mec il sait poser du carrelage ou des pierres dans des terrasses qu'il sait rénover des maisons. Mais bon, apparemment ça avait du sens pour Coury et du coup elle a ouvert sa société. Et avec quel argent? Ben avec l'argent d'Eric. Et Coury, elle va devenir obsédée avec un projet en question qu'on va lui proposer, qui est donc l'achat d'un manoir gigantesque. Sauf qu'Eric va dire que c'est trop risqué, que c'est trop gros, qu'ils ont jamais fait ça et que tu peux pas commencer par ça, puisque vous avez vu la taille du truc. C'est quand même un manoir avec 2 cuisines, 8 chambres, 12 salles de bain, une piscine thérapeutique, un mur d'escalade, un simulateur de golf et carrément un terrain de volleyball à l'intérieur. Moi, il y a une chose que je comprends pas. Alors, s'il y a des architectes d'intérieur ici, vous pouvez me répondre. S'il y a 8 chambres, pourquoi le double de salles de bain? Bon, pas le double parce que 8 plus 8, ça fait 16. Pourquoi on a besoin d'autant de salles de bain? Je n'arrive pas à comprendre. Mais voilà, ce manoir gigantesque, je vais vous raconter un peu son histoire parce que quand même, quand je me suis penchée dessus, je me suis dit, c'est un peu sombre tout ça. Mais la construction de cette maison, de ce manoir, a débuté donc en 2017. C'est un certain Doug qui a décidé de construire la maison de ses rêves, qui est donc cette chose monstrueusement énorme. Et en plus de ça, il a construit sur un terrain qui était dans une belle vallée, genre c'était l'endroit parfait. Mais la maison était considérée comme une horreur par les voisins parce que c'était quelque chose d'immense. La structure, elle faisait peur, soi-disant. Mais voilà ce qui va se passer. Ce Doug, du coup, qui a construit cette maison, ben, il va arrêter les travaux soudainement et il va disparaître et déménager au Guatemala. Le manoir, il n'était pas du tout terminé, mais le plus gros, alors je trouve pas que c'était le plus gros, mais il y avait quand même déjà les murs, vous voyez les murs à l'américaine là, en bois, qu'on dirait que si tu souffles dessus, la maison va s'envoler. Mais donc, comme je peux lire dans l'article, les toits, les patios, les escaliers et les fondations avaient déjà été construits, mais c'était pas habitable. Il fallait finir les travaux, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à terminer. Et le manoir du coup va rester inhabité jusqu'à 2019, hein, le shérif donc va être appelé sur place parce qu'il y a eu un décès à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un faisait de l'urbex et s'est blessé? Est-ce que c'était un meurtre? On ne sait pas. C'est seulement en 2022 que le manoir va donc être racheté par un couple. Ils avaient l'intention donc de déménager dans la région, de finir de rénover le manoir et d'y habiter. Et soudainement, son mari va décéder. Ouais, ça fait peur cette histoire, surtout quand on sait que finalement la personne qui va racheter ce manoir, c'est donc Coury, et que finalement dans le futur Eric il va mourir quoi. Donc ça fait quand même déjà 3 meurtres reliés en quelque sorte à cette maison. C'est comme ça donc que le manoir va arriver aux oreilles de Coury, puisque cette veuve qui voulait vendre la maison va donc contacter l'agence, la société de Coury, pour l'aider à vendre sa maison. Sauf que Coury va vouloir la racheter pour la garder pour elle. Coury du coup va commencer à insister auprès d'Eric pour l'achat du manoir, mais Eric n'était pas d'accord. Et pendant ce temps du coup, Coury, elle va accumuler les dettes. Puisque oui, Eric lui offrait une vie de luxe, il lui payait absolument tout, mais elle avait réussi à accumuler 30 000 euros de dettes juste avec sa carte de crédit, dites-vous. Elle devait énormément d'argent
auprès de prêteurs, elle devait de l'argent aux impôts et elle devait également de l'argent à son mari, puisque son mari lui avait prêté de l'argent qu'elle devait lui rendre, mais elle avait toujours pas rendu cet argent. Et c'est pas tout, puisque par la suite, quand elle a commencé à être un petit peu dans la merde, parce qu'elle devait de l'argent à tout le monde, elle va décider de voler son propre mari. Et elle va lui voler tout simplement 150 000 dollars que Eric avait mis de côté pour payer justement les impôts qui allaient arriver bientôt. Et en plus de ça, Coury avait obtenu un prêt pour l'aider à rembourser ses autres dettes, mais elle avait obtenu un prêt de 250 000 dollars en hypothéquant la maison d'Eric. Et comment elle a fait ça? Ben, elle a tout simplement falsifié la signature d'Eric sur un document donc qui lui donnait procuration de faire ce qu'elle voulait au nom d'Eric, tout ça. Et c'est donc quand Eric a voulu payer les impôts et qu'il a été sur son compte professionnel et qu'il a vu que 150 000 dollars avaient disparu, qu'il va confronter sa femme, parce que bien sûr, si c'est pas lui, c'est forcément elle. Et à partir de là, ben, il a commencé à se renseigner sur tous ses comptes, sur ses sociétés, sur absolument tout. Eric, du coup, va apprendre que depuis 2015, elle lui vole de l'argent, mais elle avait commencé vraiment par des petits montants. Et puisque depuis 2015, il s'en rendait pas compte, elle a pris la confiance, elle a commencé à augmenter, augmenter. Par la suite, du coup, Eric, il a été voir un avocat spécialisé en divorce et un avocat spécialisé donc en planification successorale. Je savais que j'allais galérer. Ça, c'était en 2020. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que vous en doutez, il va changer son testament. Et en fait, ce qu'il va faire, Eric, c'est qu'il va pas le laisser à ses enfants, parce que s'il venait à décéder, vous imaginez le mec, il pense quand même à ça. Hein. S'il venait à décéder, ses enfants allaient tout avoir, et vu que Coury est la mère de ses enfants, elle pourrait profiter de cet argent. Son avocat va donc lui conseiller de créer une confiscation de bonne foi. Et en gros, c'est un accord juridique qui permet de contrôler tes biens, même après ton décès. Par exemple, si quelqu'un vient à décéder et que moi, en tant que mère, je fais pas confiance à mes enfants pour qu'ils aient l'argent directement, parce qu'ils sont jeunes, parce que je veux pas qu'ils fassent n'importe quoi, ben, en gros, je vais mettre le nom d'une personne en question, donc ma sœur. Et si mes enfants, ils veulent utiliser l'argent qu'ils ont le droit, ils doivent demander à ma sœur et ma sœur va lire donc mon testament, mon document et elle prend la décision par rapport à ce que j'ai demandé malgré que je sois décédée. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que, imagine tu décèdes et tes enfants ils ont 18 piges et qu'ils décident de faire n'importe quoi avec leur argent. Là, il y a quelqu'un qui est responsable de l'argent que t'as laissé à chaque personne, vous voyez. Et l'argent volé, c'est pas la seule chose qu'Eric va se rendre compte parce que Coury, elle avait été très loin, au point qu'elle avait donc accédé au compte d'assurance vie d'Eric qu'il avait ouvert avec son partenaire commercial et ami Cody, donc celui avec qui il a la société, pour changer le bénéficiaire de cette police d'assurance qui de base était Cody à elle-même. Donc à ce moment-là, Eric lui a dit qu'il s'était rendu compte, mais il n'a pas dit tout ce qu'il a appris, vous voyez. Il a vraiment dit en ce qui concerne les 150 000 euros des impôts qu'elle a volés. Et dites-vous que même après ça, Coury, elle va continuer. Elle va souscrire par la suite 4 assurances vie au nom d'Eric avec une valeur totale de 2 millions de dollars. Donc si Eric décède, elle prend déjà 2 millions de dollars. Ça, Eric ne l'a jamais, jamais su. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, la relation avec sa femme avait un peu changé. Mais pour Eric, qui était naïf, gentil, qui essayait d'être compréhensif, il se disait que voilà, elle a vu un peu trop gros, elle a ouvert sa société, elle a été endettée, elle avait honte de lui dire, elle savait pas quoi faire et du coup, elle lui a volé cet argent. Vraiment, il essayait de trouver une explication rationnelle. Mais les soupçons vont apparaître et là, il va s'inquiéter quand il va apprendre que Coury avait donc fait une autre assurance vie. Pour vous, je vous dis une autre, mais lui, c'est la seule qui va apprendre. Mais elle va lui faire une assurance vie au montant de 100 000 dollars. Nous voilà donc le 8 mai 2023. C'est donc la nuit de la mort d'Eric. Donc pour le coup, on a juste la version de Coury. D'après elle, elle et Eric étaient en train de fêter le fait qu'ils avaient acheté le manoir. Et oui, elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait. Et elle a donc décidé de lui faire un petit cocktail et de lui apporter le cocktail au lit. Donc elle lui a fait un petit Moscow Mule. Elle va dire qu'elle lui a donc donné ce cocktail. Il a commencé à le boire, mais son fils a commencé à pleurer dans une des chambres. Il faisait un cauchemar. Elle a été le voir et finalement, elle s'est endormie dans le lit de son fils. Vers 3 h du matin, quand elle s'est réveillée et qu'elle est retournée dans sa chambre et qu'elle s'installe dans le lit, elle va toucher Eric, elle va se dire qu'Eric est quand même froid. Et en fait, quand elle va un peu le secouer pour voir s'il va bien, elle va se rendre compte qu'il ne répondait pas. Elle a donc directement appelé le 911 et quand les ambulanciers sont arrivés, Eric était donc allongé par terre à côté du lit et bien sûr, il était déjà décédé. Le médecin légiste a
très vite pu confirmer que ce n'était pas un accident. Il n'a pas fait un arrêt cardiaque ni quoi que ce soit, puisqu'ils ont trouvé donc du fentanyl dans son système. Et c'était pas juste un peu de fentanyl, ils ont trouvé 5 fois la dose mortelle. Et après l'autopsie, enfin, le médecin légiste va remarquer donc deux choses. Le fentanyl en question qui était dans son corps, c'était pas du fentanyl médical. Et de deux, ils vont apprendre donc que le fentanyl a été ingéré par voie orale et non par les veines. Donc, comment vous dire que cette histoire de Moscomule avant qu'il aille dormir a commencé à devenir très très suspect. Et franchement, en faisant mon script, je me suis dit comment on peut être aussi nul. Genre, ça se voit clairement que elle a jamais vu de série criminelle parce qu'elle a pas fait une seule chose bien. Je dis pas que je suis une pro si je veux quelqu'un, mais vous allez voir tout le long de l'enquête, elle n'a rien fait comme il fallait. La police, du coup, vont commencer à se pencher sur tout ça, sur le fait que c'était pas une mort naturelle. Et première chose qu'ils vont faire, ils vont donc prendre le téléphone de Eric et le téléphone de Coury. Parce qu'à ce moment-là, la propre famille d'Eric vont dire, avant même l'autopsie, que si c'est pas un accident, c'est forcément Coury qui l'a tué. Pour vous dire l'ambiance qu'il y a. Pour que vous ayez une idée, à peine 24 heures après le décès d'Eric, Coury, elle était en train de faire une soirée chez elle pour fêter l'achat du manoir. Ça fait 24 heures que son mari, il est mort, elle est en train de faire une soirée. Pendant cette soirée, la sœur d'Eric va débarquer. Elle s'appelle donc Cathy et elle va péter les plombs de voir que Coury, elle est en train de faire grosse soirée alors que son frère est mort. Et là, on va revenir dans le passé parce que je vais vous raconter toutes les choses que Eric a confiées en ce qui concerne Coury auprès que ce soit de sa sœur ou des amis à lui. Nous voilà à la Saint-Valentin. Coury, très mignonne, a décidé de lui faire un petit sandwich qu'elle va placer donc dans son camion avec un petit mot d'amour pour qu'il ait de quoi manger sur la route du travail. Sauf que quand Eric va taper un croc dans le sandwich, en plus il n'avait pas mangé, il va faire une réaction allergique. Il va commencer à avoir du mal à respirer, il va avoir de l'urticaire, il était vraiment dans le mal. Et heureusement, il a eu le réflexe et la chance que dans la voiture, il y avait, vous savez, les petits stylos là d'adrénaline que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, je suis désolée. Mais son fils, il en avait besoin quand il faisait des crises et il y avait ça dans la boîte à gants. Donc heureusement, sinon il serait clairement mort. Elle aurait réussi à son premier essai. Il a pris le petit stylo, il a fait son petit truc et il est tombé dans les pommes. Quand il s'est réveillé, il a appelé directement son meilleur ami. Salut mec, je viens d'être empoisonné, je pense que c'est ma femme. Et selon la famille d'Eric, du coup, ce n'était pas la première fois, puisqu'il y a quelques années, ils étaient partis en Grèce en amoureux. C'était vraiment le rêve de Coury d'aller en Grèce. Et pendant ce voyage, elle a essayé de l'empoisonner. En rentrant, il avait donc raconté tout ça à sa sœur. Au-delà de cette histoire d'empoisonnement que la famille d'Eric va raconter à la police, ils vont aussi raconter autre chose qui est le fait que Eric ne voulait pas du tout acheter ce manoir. Donc Katie va dire à la police pourquoi il serait en train de fêter l'achat de ce manoir en question, sachant que mon frère m'a dit des nombreuses fois qu'il ne voulait pas l'acheter. Revenons du coup dans le présent. Katie, elle apprend que Coury est en train de faire soirée et elle se pointe et de là, une bagarre va éclater et Coury va dire à Katie, casse-toi de ma maison, c'est chez moi ici, t'as rien à faire là. Et Katie va lui sortir un petit contre-nom que ce n'était plus sa maison, que c'était donc à elle de partir, que Coury avait 24 heures pour partir de cette maison qui était désormais la sienne. Elle va donc lui dire de se renseigner sur le testament qui a été modifié. Donc oui, elle se rend compte qu'elle a fait tout ça pour rien. Bref, revenons en ce qui concerne l'enquête. Comme je vous ai dit, ils sont penchés donc sur les téléphones portables. Ils vont tout d'abord regarder le téléphone d'Eric et ils vont lire pas mal de messages où il disait qu'il s'inquiétait pour sa vie, pour la vie de ses enfants, qu'il avait peur de sa femme, qu'il savait plus quoi faire. Mais en ce qui concerne le téléphone de Coury, ils vont trouver énormément de choses. Alors bien sûr, elle avait supprimé, mais il suffit de remonter à l'opérateur et t'arrives à vraiment sortir tous les numéros, tous les appels. Et ils vont voir qu'elle avait échangé avec un numéro très souvent et c'est tout simplement un mec qui vend. Et ce mec va tout raconter à la police parce que vraiment il veut pas être accusé de complicité de meurtre, vous voyez. Cet homme du coup qu'on va appeler Mathieu, il va dire que Coury l'avait contacté en janvier et février 2022 pour lui demander des médicaments pour l'une de ses clientes qui souffrait d'énormes mal de dos et qu'elle voulait juste l'aider parce qu'elle est très gentille. Le 12 février du coup Mathieu va lui livrer, il va donc lui donner des pilules d'hydrocodone. Vous voyez le rapprochement, c'était littéralement 2 jours avant la Saint-Valentin, donc c'est sûrement ces pilules-là qu'elle a utilisées dans le sandwich. Mais voilà que à peine 2 semaines après, donc fin février, Coury va donc contacter Mathieu à nouveau et elle va dire que ce qu'il lui avait donné, c'était pas assez fort, puisque oui,
Il n'est pas mort en mangeant son sandwich. Elle va donc préciser qu'elle voulait du fentanyl. Comme je vous dis, le fentanyl, c'est très très fort. Il suffit d'une toute petite dose et la personne, elle a aucune chance. Il va donc lui procurer entre 15 à 30 comprimés et il va donc lui donner ça contre la somme de 900$. Et en ce qui concerne Coury, c'est pas tout parce qu'elle, quand elle avait parlé à la police, elle avait dit qu'elle s'était endormie dans la chambre de son fils et qu'elle avait laissé son téléphone de base avec son mari. Sauf que c'est faux puisque les enregistrements montrent qu'elle s'est déplacée dans la maison et que son téléphone a borné dans la chambre principale. Je trouve ça ouf que ce soit aussi précis quand même, genre tu te déplaces dans la maison, ils arrivent à remonter ça. Mais apparemment c'est le cas, ils ont vu que avant qu'elle appelle le 911, elle était dans la chambre donc avec son mari qui était déjà décédé. Et c'est pas tout puisqu'ils vont fouiller encore plus sur son téléphone et ils vont voir donc qu'est-ce qu'elle a cherché sur internet. Ils vont voir aussi tous les messages qu'elle a supprimés avec son contact, donc avec Mathieu. Mais voilà qu'est-ce qu'elle avait cherché sur internet. Les flics peuvent-ils vous forcer à vous faire passer en détecteur de mensonges ? Quelles sont les prisons de luxe pour riches en Amérique? Si l'acte de décès indique empoisonnement, est-ce que je reçois mon assurance vie? Comment supprimer définitivement les informations d'un iPhone? Mais aussi, comment supprimer définitivement les informations d'un iPhone à distance? Donc c'est à se demander si elle voulait pas effacer les informations du iPhone de son mec. Peu de temps après la mort d'Eric, du coup, la famille d'Eric et Coury vont aller au tribunal. Pas parce qu'elle est inculpée de meurtre, on n'y est pas encore, vous allez voir, ça va mettre un peu de temps. Mais parce que du coup, Coury essayait quand même d'obtenir l'assurance vie d'Eric. Sauf que ça va être prouvé que quand il a fait les changements, il était sain d'esprit, qu'il n'a pas été manipulé ni quoi que ce soit. Donc bien sûr, ça va pas se faire. Et à ce stade-là, vous vous posez sûrement la question du pourquoi est-ce qu'Eric n'est pas parti. Sauf que sa sœur va répondre à cette question et Cathy va dire que toutes les fois où elle lui a dit de quitter Coury, Eric disait la même chose. Eric avait très peur que ce soit Coury qui ait la garde totale des enfants. Et sa sœur lui rassurait en disant que c'est pas possible parce qu'ils peuvent prouver en justice qu'elle lui a volé de l'argent, qu'elle a des dettes de partout. Donc entre quelqu'un qui a une société, qui a beaucoup d'argent et quelqu'un qui doit je sais pas combien d'argent aux impôts, à des prêteurs, qu'on peut prouver qu'elle a essayé d'en poisonner son mec, vous voyez, jamais on va laisser de la garde à cette personne-là. Mais Eric, il avait quand même peur que ce soit une garde partagée. Et pour lui, c'était hors de question qu'il laisse ses enfants une seule seconde avec leur mère. Parce qu'il se disait, si elle a essayé de m'empoisonner, qu'est-ce qu'elle peut faire à mes enfants? Donc c'est horrible de se dire qu'il était prêt à rester dans une relation misérable où il pouvait peut-être mourir. Tout ça pour protéger ses enfants. Avance rapide en 2023, puisqu'à ce moment, Coury n'a toujours pas été arrêtée. Je ne sais pas comment c'est possible. Quelque chose qui m'a choquée, c'est qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que quand tout ça s'est passé, ça n'a pris aucune ampleur. C'est pas quelque chose qui se savait dans la ville. Tout était très très discret. Et donc la presse n'a jamais été au courant, alors que c'est quand même une histoire d'ouf. Malheureusement, on va pas se mentir, c'est quand même un crime. Genre, c'est pas un crime habituel, vous voyez, c'est triste à dire, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est mort. Mais c'est le genre d'histoire que généralement tu vois tout le monde en parler et non. Genre, quand ça s'est passé, personne ne le savait. Et vu qu'un an après le crime, Coury, elle n'avait pas été arrêtée, je pense que dans sa tête, elle était très très sereine au point que donc en 2023, elle va aller sur un plateau télé, l'émission Good Things Utah. Et en fait, le 7 mars, donc un peu avant, elle avait sorti un livre qui s'appelait donc Are You With Me? Donc, est-ce que tu es avec moi? Et ce livre en question, c'était un livre pour les enfants. C'était un livre conçu sur le deuil pour aider les enfants à faire face à cette tragédie après la perte d'un être cher. Ce qui est quand même assez intéressant parce que ça doit être un sujet dur à aborder avec un enfant. Mais de savoir que ça a été écrit par quelqu'un qui a tué son mari, voilà. Et elle était donc sur ce plateau télé pour faire la publicité de son livre, pour raconter son histoire. Et c'est là que tu vois qu'elle était vraiment sereine. Parce que pour aller sur un plateau télé, raconter l'histoire de ton mari, comment il est décédé, alors que c'est toi qui l'as tué, c'est vraiment que tu penses que t'as fait le crime parfait. L'interview s'est déroulée normalement, même si très rapidement, on voit beaucoup de gens qui froncent les sourcils face à la façon qu'elle avait de s'exprimer Coury, puisque d'abord, la première chose qui va faire parler, c'est le fait qu'elle portait pas son alliance. Moi, sur ça, je juge pas trop, parce que c'est vrai que peut-être de porter l'alliance, ça va te rappeler que cette personne est décédée et peut-être t'as envie de passer à autre chose, donc je juge pas sur ça, chacun a sa façon de faire son deuil. Mais c'était surtout la froideur que Coury avait de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est censé être quand même un événement très traumatisant, et elle en parlait
parlait, comme si elle racontait comment elle a eu des pommes en promotion. Vous voyez, elle était très calme, sans aucune émotion. Et même une fois que l'émission s'est terminée sur Twitter, les gens disaient « Waouh, mais elle est un peu suspecte, cette femme, non ?» Alors qu'ils connaissaient rien à l'histoire, dites-vous. Ils ne savent pas tout ce que je vous ai déjà raconté. Ils ont eu cette sensation juste à travers l'interview. Dès le lendemain, l'émission va donc recevoir un mail avec l'objet qui disait « Comment vous n'êtes pas au courant que c'est elle qui a tué son propre mari ?» Mais les émissions ne vont pas prendre ce mail au sérieux parce qu'ils disent qu'ils reçoivent des mails tout le temps comme ça, des gens qui veulent attirer l'attention, patati patatata, et donc ils ne vont pas du tout le prendre en considération, ils vont supprimer le mail et basta. Mais quelques jours après, une des présentatrices va recevoir un message sur Facebook en disant « Vous devrez enquêter sur l'autrice que vous avez fait venir, vous n'avez pas l'air d'être au courant qu'elle est suspecte du meurtre de son mari. » Voilà donc un mois plus tard, le 8 mai 2023, quand Khoury a donc été arrêtée. Et une fois de plus, je pense pas que le fait qu'elle a été sur le plateau télé a fait qu'elle a été arrêtée. Je pense que ça a été juste une coïncidence. Et pour le coup, c'est là que ça va prendre de l'ampleur, parce que tout le monde va être choqué de voir que cette femme qui a tué son mari a eu le culot d'écrire un livre sur comment faire son deuil et a été sur un plateau télé. C'est là que ça va prendre de l'ampleur, vous voyez, et c'est comme ça que je vais apprendre du coup cette affaire, parce que c'est que là, en 2023, que tout le monde va en parler. Actuellement, on est en octobre quand je vous tourne cette vidéo, on est exactement le 13 octobre, aujourd'hui c'est vendredi 13, et de ce qu'on sait, c'est que de 1, Cathy, du coup, elle a fait la demande de avoir la garde totale des 3 enfants, chose qui va être acceptée, j'espère. Mais en ce qui concerne le procès, on sait que le 12 octobre, donc littéralement hier, l'avocat de Khoury va demander que toutes les charges contre elle soient abandonnées, puisque c'est impossible de faire un procès équitable vu comment ça a pris d'ampleur. Je ne sais pas comment l'avocat, il a pu demander ça, il s'est dit peut-être ça va passer, mais je pense que jamais de la vie ils vont dire ok, on abandonne les charges, on va oublier que t'as tué ton mari. Je pense que peut-être ça sera fait dans un autre état, je ne sais pas comment ils vont faire. S'il y a des updates, je vous les mettrai dans les commentaires, si c'est assez court, genre si tout ce qu'on sait c'est qu'elle a pris 10 ans de prison, imaginons, je vous le mettrai dans les commentaires. Mais s'il y a pas mal de choses qui sortent et il y a du contenu, soit je vous en parlerai dans une JVDT actu, ou soit je ferai une JVDT update selon les informations. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, même si je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part on espère qu'elle va finir sa vie en prison et que sa famille pourra faire le deuil. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je suis désolée, je suis nulle pour finir les vidéos comme ça. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.